mais je sais de la bouche, enfin plutôt du clavier de certains joueurs de Baikon qui me disent que c'est vraiment pas facile. Ok. Donc on va voir ça, on va voir comment Gestalt s'en sort. Est-ce que Tsushi va savoir profiter du fait que le match-up est en sa faveur pour... À voir. Mais comment ça s'appelle Après, je pense que Gestalt, il a plus l'habitude de ce match-up-là, je crois. C'est possible. Ouais, parce que on en voit des Hanji, pas beaucoup, mais on en voit. Oui, oui. Et je sais que dans la communauté FR, on a quand même quelques bons Hanji contre lesquels s'entraîner. Donc, on n'est clairement pas dans l'inconnu. Je pense que pour les deux joueurs, parce que pareil, Baikon, c'est un perso qui est quand même pas assez bien joué en France. Donc, les deux joueurs savent dans quoi ils s'embarquent. Et bah à partir de là, c'est du skill. Ouais. Donc les amis, on sera partis, j'espère que vous êtes prêts. Je pense qu'ils vont nous offrir du beau, je suis prêt à crier là. Ah ouais, ouais, on laisse la cinématique, c'est du sérieux hein. Ah bah oui, il faut. Et let's rock. Allez. Le soleil. Okay. Pour l'instant, les deux joueurs échangent des coups, mais rien de très, très dangereux. Ouais, pas mal. Et la corde qui a été attachée, là c'est le stress, là attention hein. C'est le stress. Sushi qui n'a toujours pas utilisé son burst, mais qui a pris Bagdad, qui n'a pas l'utilisé, okay. Ça va être la mort. Violence de Baiken. Faut lui dire que c'est un jeu hein. Non mais son épée elle est bien aiguisée. Non, pas poussé. Le plat Baiken c'est pas un jeu. La vie de la mort, il lui manque un bras, elle est pas là pour rigoler. Justement, faudrait qu'elle se calme. Ah, oh là là, le counter. Ouais. Et à savoir quoi. Oh. Attends, mais on l'a tous pris là. C'est le death. C'était le gros death. Ouh, ça a tenté le gros sap rapide. Bah oui. Mais ça n'a pas marché. Ok, là c'est le moment pour Tsushi de montrer qu'il n'est pas là pour la figuration. Chope aérienne. Oh là là. De Gestalt. On est à plus que un hit. La shot qui n'est pas passée malheureusement, très bien joué de la part de Gestalt qui récupère la première game. Ouais, alors tu t'en rappelles des game 1 très convaincantes qui finissent pas ouais, comme ouais, on se rappelle. Attention, Tsushi a montré qu'il sait s'adapter. Tsushi a l'esprit shonen. Il a carrément l'esprit shonen. Il est shonen. Il est venu avec son costume de Sangoku. Ça rigole zéro. Allez, là, on est parti, plus le temps pour les cinématiques. Ouais, ok. Le lock est trouvé. Oh là là là. Oh, mais ça fait tellement mal, on dirait une chope de Potemkin. Ah bah ouais, on est sur cette échelle là. Oh, très bien joué de la part de Sushi qui s'adapte là, qui a compris qu'il a pas le droit à l'erreur, un deuxième counter, il va mettre son adversaire dans le coin, ouverture de garde et du coup le mur qui va break. Ça fait très très mal, on a 20% d'HP du côté là de la Baikon. Et Gestalt qui essaye de reprendre le neutral. Parce que bon, Tsushi a le counter hit après le cabaret. Et ça commence hein. Et ça commence. C'est comme ça que ça a commencé la dernière game. Ok, ça fait des Fujin full screen, on tente des trucs. Est-ce que ça va se passer en l'air, il y a un counter qui va arriver bientôt. Et oui, c'est Baikon qui trouve la réponse. Le devant derrière, là qui n'est pas passé. Mais la balle est derrière pour confirmer. Les bons dégâts, okay. Roman cancel, oh, c'est Roman tellement bien joué. Voilà, et là, c'est la famille Gaizen. Ok, il casse le mur, malheureusement pas de tension pour mettre... Oh là là, Sushi qui tente hein. Attends, mais est-ce que ça va être un comeback de Sushi? Non. À terre, jeune homme. Voilà, c'est Gestalt qui dit, ok, il est mis dans ton compte, il coûte 50% de tension, moi ça coûte 0. Hop, allez là, hop là, c'est moi le vrai compte. Allez, on est reparti du coup. Ok, ça met des papillons. Oh, ça a bien joué, hein. Ouais. Belle esquive de Gestalt sur la shop. Et on met la corde. On fait des gros dégâts. Un tiers de barre. Oh, et là, est-ce que c'est le kill? Mais c'est tellement beau le combo. Okay, oh, le bait. La shop. Ok, très bien joué. Oh, le pif, mais oui. Spécial dédicace Sushi. Et là, Gestalt qui a vu le pif. Il dit, ok, c'est bon, j'ai vu. Maintenant, je peux taper. Non, ça dure longtemps, mais. 2-0. Bien joué. 2-0. 2-0 pour Gestalt. Ah, il déconne pas. Hein. Ah ouais, non. Il rigole pas. On a pas le temps. Non, mais au moment où j'ai dit cash price, j'ai vu son œil s'allumer là. Oh là là.
Voilà, il réagit à nous, il réagit à nouveau, voilà. Voilà, les gens ils viennent pour s'enrichir clairement à la Talk Arena. On joue à Guilty Gear pour devenir riche. On a tous un peu un petit côté capitaliste. Bah oui. Ah bien, pour être capitaliste, moi j'aime bien avoir des sous dans mon portefeuille, quoi. Genre, ça fait plaisir. Ça sert. On peut faire 2-3 trucs avec de ton genre. Bah c'est ça, genre quelques petits kebabs. C'est vrai. Et là on est reparti, le burst claqué d'entrée directe, hein. Il veut pas laisser le temps à son adversaire là. Pour le allez. Hit, là, on dit pas de touille. Okay. On le connaît Sushi avec ses comebacks, avec son adaptation. Oh là là, la Baiken. Le délai. Le bait, c'est bon. Oh la chop. Ah mais Sushi qui est présent. Le petit papillon. Oh là là, mais non. Ça met le papillon et ça met le contre. Entre les deux, hein, parce que entre les deux, il y a du papillon. Oh là là. Oh oui. Le papillon qui passé finalement... tellement de choses. Ouais. Ok. La dernière game, Sushi a pris le premier round de cette manière-là. Est-ce que ça va s'enchaîner? Non mais il faut, on a besoin nous d'aller jusqu'au dernier match, dernier round. Ah bah oui. Pour le suspense, pour la pression, pour tout ce qui fait de la compétition. Le beau spectacle. Oh mon là dieu là. Oh les gars, il on est en train d'assister à quelque chose de fabuleux. Le papillon. Ah dommage. Oh là là, ouverture de garde. Aller chercher le projectile et... Ça casse des murs. Oh là là. Et voilà, il va le chercher en haut de l'écran, il se fait envoler. Ah ça pique hein. Ah mais c'est pas grave. À la réponse, il a le burst, okay. Attention. Oh là là, mais ça joue tellement bien. Oh. Et il le redonne. Et voilà, et voilà, tu casses mon mur, je casse ton mur. Et oh là là, le fin cache. Il l'a giflé comme s'il était son père, mais là on est reparti. Attention. Oh ça va tuer non. Ça met des oh blagues. Le yes. 2 HF. Jeff, pas, encore une fois, il veut finir là. Il a intérêt. Il a pas le temps, il veut le cash prize, il veut finir le tournoi. Après, il a rendez-vous, il a un train à prendre. Allez, non, coup, balle de match. Il a la pression, hein. Balle de match pour Baiken du coup là. Balle de match. Elle va prendre le papillon, non. Ouverture de garde, là il y a combo derrière le juggle. Tentative de devant derrière. Oh la bonne garde. Oh là là, mais bien joué, il s'adapte au backdash. Oh dommage. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? La punition light, ouverture sur l'overhead. Ah ouais, il va passer le mur. Okay. Hein. Et allez. Ça casse le mur, ok. Sushi qui est très vivant. Oh, le Roman. Le burst direct, okay. On n'attend pas. Oui. Attention. Oh, overhead. Oh là là, mais il prend tous les coups sur les salles. Ah, il va le tuer. Oh, il va le bouffer. Ouais. Non, ça tue, non pas. Ça tue pas. Ça tue et pas. Et c'est parti, c'est la dernière chance là. Voilà. Non ça... GG, bien joué. Ok, ça bloque l'overhead. Pas les gars, la pression, les gars. Oh là là, c'est incroyable. Ok. La pression dans le coin, du coup, il reprend l'overhead. Oh du coup, là, le burst a été claqué. Attention à le Roman cancel possible pour Angie. Il va le claquer, là, sur l'ouverture de garde, oui. Très bien joué. 3-0. 3-0, mais clairement tu regardes le match, ça sent pas un 3-0. Non, du tout. C'était, mais... Chaque round, fallait aller les chercher Pixel. Et non, c'était le stress. Ah, c'était grave le stress, c'était... J'ai pas les mots. J'ai pas